La vache, chronique d'un massacre annoncé. Jeudi 13 mars 2014. Dans un article qui relève, Premier ministre haïtien dit projet station balnéaire là pour aider l'économie, li pap gen a fait mettre moun dehors la donne. Que journaliste Trenton Daniel écrit aujourd'hui pour Associated Press. Journaliste l'a dit, plan pour transformer un petit île dans le Caraïbe, dans le point sud du pays d'Haïti, en une station balnéaire pour touristes, monde qui gagne l'argent, pour créer plus que 2000 jobs et puis pour aider changer l'image internationale du pays appauvri ça. Premier ministre, là, c'est ça qu'il a déclaré mercredi, pendant qu'il voulait rejeter l'allégation que le gouvernement pourrait mettre des centaines de petits agriculteurs dehors pour compléter le projet. Le ministre en premier, Laurent Lamothe, dit que développement Tizi Lessa, qui est non il a vache, c'est pour un projet qui est plus ambitieux dans l'affaire touriste qui j'aime fait dans le pays d'Haïti. Ambitieux dans le sens que c'est pas le plus gros, plus grand projet dans le sens ça. Et il dit que tout est critique qui mettait main avec la police dans une série de manifestations récemment là, il n'a pas vraiment apprécié bénéfice projet. Ça pour porter l'espoir pour un meilleur avenir pour tout résident de la vache. C'est ça, Laurent Lamothe t'a dit par téléphone pendant passage li nan Chili. Nous définitivement pas un plan pour mettre personne dehors. Projet 260 millions de dollars ça qui a bâti avec un mélange de aide étrangère et investissement privé. T'as supposé compléter là dans 2 ans. Li pour et gagner un aéroport international qui pourra permettre aux touristes étrangers passer sous Port-au-Prince et ville tête en bas et bâti condo, spa et ensemble en station radio communautaire. La mode dit pour gagner plus que 2000 jobs dans l'hôtel en plus de travail qui pourra créer pour bâtir l'école et un centre communautaire. Travail déjà commencé dans aéroport, sur l'aéroport. Travail aéroport déjà commencé, qui c'est un cadeau de 24 millions de dollars du gouvernement Venezuela. Dans le temps, une série de manifestations qui était commencé l'année dernière, après le gouvernement a annoncé que les poils posaient la patte sous terre, sous Tizilea, pour utilité publique, entre guillemets, pour le cas. Fait projet tout ça abouti. Les pattes guendison, les pattes et fait affaire, pas de chita d'accord avec quelques 15 000 moun qui vivent sous île à vache, en pile l'an yo qui c'est agriculteur avec pêcheur. Tout d'un coup, décret apparaît et puis il y a printemps moun. Bail étranger, c'est ça. McDonald l'aîné, yon résident 27 l'année et qui a vu sous il a vache toute ville. L'aîné, ensemble avec voisin, t'es formé yon groupe que yon relais organisation agriculteur il a vache pour protéger terre. Dit que c'est terre qui vient joindre yon qui passait de génération en génération et c'est celle possession que yon gagne. Et donc, yo commencé là à tirer pied, yo a protester, yo a bataille. Et puis, yo commencé bouler caoutchouc, etc. Et puis, policier et officier la police t'est débarqué sous Iléa pour mater protestation ça yo. Gagné dans résident qui dit la police t'est battu yo. Yo promettre plus manifestations toujours si à moins que le gouvernement retire décret qu'elle mette dehors. La mode dit que manifestation yo c'est un groupe moun qui gagne rapport qui gagne et crocodile avec des réseaux de crimes organisés
et qui a essayé transporter, trafiquer marijuana dans la zone là et qui a intérêt à empêcher travail de développement. Ça a fait, c'est Mounsayo qui a poussé habitants de la vache faire manifestation. Cependant, il y a à peu près moun 100 familles qui a bien pour relocaliser yo, pour faire place pour station balnéaire, toujours d'après sa ministre tourisme Stéphanie Villouin te dit. Pour gagner quelques compensations pour moun qui habitait là. Ça, c'est Atik Trenton Daniel là. Journaliste haïtien lui-même et Daddy Chéri commenté Atik Trenton Daniel là une autre façon. Daddy Chéri, que vous êtes capable de commenter là, soit sur Facebook en bas non li, Daddy Chéri, DADY CHERY, ou bien non sur site web li www.DADYCHERY.org, dit et sortez quoi et Associated Press découvrit qu'il y a un problème sur la vache. Et comme toujours, Atik Associated Press là représentait largement point de vue puissance et les chargeacs menti. Gagné 20 000 résidents sur la vache, pas 15 000. Résidents, pas de aucun monde d'ailleurs qui a instigé, qui a poussé. C'est eux-mêmes qui étaient choisis propres représentants. Parmi eux, Jean Matunles Lamy, qui est en prison sans jugement et sans qu'il n'y ait pas de charge qui est contre lui depuis le mois de février. Premier ministre, pour qu'on parle, il lance son campagne là de diffamation contre Jean Matunles Lamy et Associated Press répété sans preuve et vieille charge que vous voyez en l'air contre Jean Martinez là. La société de presse supposée qu'on est que chaque cas de trafic de drogue dans le pays d'Haïti, que la police ou bien l'autre monde découvrit, toujours impliqué le gouvernement. Et pas jamais il y a un seul cas de trafic de drogue dans le pays qui impliquait un agriculteur. Le gouvernement dit que la prend seulement une petite portion dans l'île. Et quatre que le gouvernement même mettait dehors, montrer autrement, montrer que c'est l'autre bagage qui peut le faire, c'est pas une petite portion. Mais même si la société de presse pas de perdre du temps avec genre de détails, ça y est, il est facile pour calculer qu'une petite île de 20 000 carrés de 45,96 km² qui déjà gagne 20 000 résidents sous lit, pas capable d'accommoder 2 000 chambres d'hôtel, 2 500 villas avec autant de bungalows, plus un centre communautaire, spa, restaurant, bar, une école qui pour former employés hôteliers, etc. Et pour toujours respecter l'environnement ou bien pour encore une place pour Mounzilea. Qui mérite qui gagne dans fouiller une côte qui vierge pour faire un port et ratiboiser une forêt pour faire aéroport pour écotourisme. Quant à la création de 2 000 emplois dans le pays d'Haïti, moun qui travaille pour salaire, yo gagne un minimum de 55 centimes américains à l'heure. Si yo gen chance. Donc, 55 centimes américains à l'heure, lorsque songe que l'ambassade américaine t'a changé tout goud là pour 46 goud pour 1 dollar, 54 centimes à l'heure fait à peu près qui ça? En 25, peut-être 26 goud. C'est tout ça. Et si y a une chance, lui dit. Donc, multiplié par 8 heures de temps de travail par jour, ça forme moins que 200 gouttes ou 300 gouttes minimum que la loi mandéa. Donc, qui gens ou poil pousser, poil baron économie booster, qui gens poil pousser le monter là, n'en prend terre et agriculteur, plus toute plage que pêcheurs ont utilisé et pour forcer au travail pour salaire esclave. Ou certainement pas aider économie agriculteur à pêcher ça.
ou certainement pas aider l'économie pays d'Haïti. Seule économie qui va aider dans ce sens, c'est économie par et économie amis investisseurs ensemble à Banque internationale, tant que Banque mondiale, Fonds monétaire international et Banque interaméricaine de développement. Fin de citation. Nous abtounen pita avec Lyon Antique dans le même sens là, qui présentait deux points de vue, qui était paraître dans Nouvelis hier. Nous abtounen.